Bienvenue dans cette émission, donc nous la terre, nous la mer, nourrissez. Aujourd'hui, on retrouve moi dans réserve naturelle Bizone de Brado, à l'autre extrémité justement, pour parler des abeilles. Donc tout ce qui concerne les abeilles, il faut dire que c'est une place qui est très tranquille, tout le naturel, et cela avec donc Iqbal Beacon. Donc Iqbal, merci qu'aujourd'hui on recevra nous pour nous cause un peu plus l'urban abeille. Et donc, un apiculteur, oui. Depuis combien de temps? En tout cas, j'ai 30 ans, 35 ans, 30-35 ans. Je fais apiculture, je suis négocié avec mon papa. Mon papa est un apiculteur traditionnel. Et bon, traditionnel veut dire même abeille, mettre dans la caisse, laisser développer, etc. Et la coupe du pain tiré. Il faut qu'il puisse couper, quand on a du miel. Mais là, je suis fasciné par l'abeille. Et là, je me suis connu comment ils fabriquent ce du miel. Ça, tous les temps, depuis l'enfance, je suis émerveillé par cela. Je me suis dit, là, comment nous pouvons faire ça? À ça, comme je suis représentant du ministère, j'ai été dans un système capable de travailler, qui est capable de produire du miel d'une façon plus technique, disons. C'est justement une allée. Il y a un homme qui nous a une ruche qui nous dit frame hive. Ça veut dire qu'il y a un cadre que tu es capable de vérifier ou un sac. Qui est là, que tu peux contrôler ou que tu peux faire management. High management, pas fini. La reine, bon, pas bon. Que tu peux une demande pour comment dire, tirer et remplace par l'acier gaufré. Nous avons mis de l'acier gaufré pour abeille là bien vite. Donc voilà, c'est comme ça, nous finissons. Moi, j'ai commencé à la maison, chez moi, à bon accueil. Mais seulement, mon doué n'est pas pour moi aussi parce qu'il y a assez de plantes mellifères. La plante mellifère, c'est une plante qui donne nous du miel. Et donc, nous avons une plante comme un calyptus, comme un poivrier, comme un jamblon. Bon, il y en a encore des autres. Hein. Et les lames, nous faisons des mosses, côte, comment dire, nous donne un petit bout de la terre. Côte, pas besoin de dire pour là, donne-moi un grand encouragement. Je viens là, voilà, les lames, on commence ici. Mais c'est maintenant un problème, comme on dit, où, et côté vol. Quand du monde il commence à faire la culture, oui. Donc qui sera une première étape? Il y a besoin absolument de la passion là. Nous on appelle ça le virus de l'abeille. Il y a besoin d'aller. Parce que quand on peut démarrer, on peut gagner beaucoup de cognés. Ça, définitivement. Pour l'abeille, pour aller, on ne peut pas quoi faire non, hein, au début. Traverse l'hiver, c'est une autre étape. Puis il y a une ruche. Pas de réussite traverse l'hiver. Il peine soit à ses nourritures, soit la teine rentre là-dedans. De là, ben là, allez. Là où vous êtes, comment dire, vigilant. Pendant l'hiver, vous êtes inquiété comment vous nourrir sa belle. À ce qu'elle diminue, quand l'été rentre, vous trouvez, comment dire, comment moi, par exemple, maintenant, sans ruche. Vous êtes obligé d'aller là-dedans. Parce que là, maintenant, nous avons les autres problèmes qui m'appellent. Varroa. Varroa, c'est un mythe. Comment dire Mike en anglais. Et quand ça, il rentre dans aux ruches, il commence à développer dans un alvéole. Quand il pond là-dedans, la reine là, quand il pond, il peut vivre sa larve là. Et surtout si l'hiver, la population est déjà diminuée, au risque de décimer par l'homme en termes de population. Il veut dire qu'il y a deux dangers. Un, varroa. Deuxième, changement climatique. Ça, tout le monde connaît. Ou bien on a un cyclone même, ou bien un gros lapli, tout ça là, les yeux contre l'abeille. Comment justement nous reconnaître la reine? Bon, la reine, c'est comme une abeille, mais seulement les plis allongés, les majestueuses, c'est même la reine. Quand il morse aussi, il morse d'une façon plus de ça la reine. Ce qu'on est un petit peu, Jonathan, un petit peu, et vous avez écouté la reine, comme on dit, on a écouté la reine là, on a reconnu le mot là. À la reine. Au début de l'été, la reine là pourrait commencer à spawn là. Et quand il veut spawn, il prend le temps pour build-up. Quand il réussit build-up, là, elle monte dans ce qu'on appelle la hausse. Parce qu'il y a un couvain. Deuxième, il y a l'état zoli qu'on appelle hausse. Là-dedans, qui comment dire, et Abella pour commencer à mettre du miel. Et ça qui nous récolte normalement. Parce que là,
vous gagnez que miel, parce que vous ne savez pas où os avec vous couvert avec un gris à reine. La reine n'a pas pour monter là-haut. Mm-hmm. Exceptionnellement pour pas les monter, mais autrement, on a 10 000 là-haut. 10 000 est un peu pollen, disons. Mais là, il est facile pour récolter, il est facile pour faire extraction. Dès que nous finissons faire extraction, on fait un coup là. Et là, on remplace dans ce caisse. Qui veut dire, avant, traditionnellement, on coupe du pain là, on tire. Ah ben là, elle a besoin de refaire pain. Et là, récolte, puis aller, pleine, finie, puis elle termine. Ou pas pour foutre récolter, on a besoin. Mais ça, avec ce système-là, vous êtes capable, comment dire, finir, faire récolte, replacer. Dès là, vous attendez quand il peut remplir une deuxième fois, là où vous refaites extraction. Est-ce qu'un apiculteur est capable de vivre donc de cette production? Maurice, il est un peu difficile, surtout actuellement là. Peut-être avant. Là, ce qui peut arriver, c'est une chose, un peu, comment on appelle ça, ironique, si vous l'appelez. Quand du miel, peut penser aux valeurs qu'on a besoin, côté nutrition, côté socio-médicinal, du monde peut découvrir beaucoup de choses du miel. Pour moi, là, quand même, ma mamzelle peut venir. Du miel, qui fait là? Vous connaissez un dandia qui dit miel quand on boit le matin, avec ce limon et tout, il diminue le poids. C'est assez que l'on a découvert. Hein? Mais voilà, parce que du miel dans cette façon-là, une autre ligne, il y a un problème bronze. L'autre là, il y a un tel problème. Vous comprenez? Mais du miel, c'est un. Comment ça dit? Un all-rounder, comment nous dire? Côté médicinal. D'ailleurs, ayurvédique, vous connaissez, une toute bonne chose ayurvédique. On recommande du miel même. Nous aussi, dans nos traditions musulmanes, recommander du miel, il y a du miel, il y a une guérison pour tout malade, excepté l'amour. La Bible aussi, tout bon livre sacré, il mentionne du miel, même bête. Hein? Tout ça, bon livre sacré là, parce que c'est révélé par là-haut. Bizarre la mention du miel. Ça veut dire, à ce terme mauricien, il commence à comprendre, voilà, du miel, il y a un produit naturel et il est bénéfique pour plusieurs maladies. Donc, comme l'énergie, vous connaissez, un athlète qui bien consomme du miel. Avec du miel, on a mal d'autres produits, même sous produits comme la propolis, on entend parler, on a gelée royale, on a pollen, etc. On a même pelin. Dans une ruche, n'a pas été. Tout l'île a, comment dire, service pour l'humanité. Hein. Un autre service, comme je disais. Mais c'est moi qui connais qui a fait pour moi pour servir. Mais c'est un monde bien, bien fascinant. Et moi, je pense qu'il n'a pas encore découvert tout le miel. Même si moi, je vous connais un abeille picou. Il y a un venom qui est sorti là. Mm-hmm. Et ce venom-là, je trouvais qu'il aide certains malades comme arthritis, par exemple. Un problème des os. Mm-hmm. Je viens de cela, c'était gagné. D'ailleurs, madame, c'est l'Angleterre, c'est une côte manche. Angleterre, imaginez. Il y a un petit peu d'abeilles que tout. Qui vous faire? Je dis, qui vous faire? Tu dis, moi, du miel, vous avez abeilles. Je dis, non, mais moi, j'ai besoin de pour telle ou telle affaire. Je dis, pas de problème. Mais même ce sauce, toi, ce petit container, on ramasse mon tenage, je vais te je mets tout dans ce sauce. Je dis, moi, je ne peux pas le faire, il pique moi là. Mais quand il pique, il y a un médicament pour lui, bivenom. Tu dis, moi, je pègue bivenom. Mais, vous n'êtes pas exagéré aussi seulement. Mais. Piqûre abeille, il y a une guérison pour une douleur, comment dire, une jointe, cela. Donc, si vous avez une ruche, et nous n'avons pas appris à nous autres beaucoup, nous aussi, façon d'organiser les autres. Mais c'est un autre domaine, ça. Comment on travaille? Je travaille en mots, ça, quand le flé est sorti pour moi. Vous êtes une division of labor, comment nous dire. Une partie peut faire sentinelle, une partie peut nettoyer ruche, une partie peut nourrir la reine, une partie peut. Aller comme ça, peut nettoyer pain. En dedans, scavenging. Mais c'est un. Comment Abela naît depuis dans son alvéole comme ça là? Et ce travail est venu commencer. Ce travail est venu commencer. Et là, ça a besoin d'Abela qui pour sécréter une espèce liquide de son glande, pour balle par là, de son abdomen, qui ça même pour venir la scier là. Ça même pour faire pain. Vous m'avez nous? Mais bon, il y a dans là où ou pas pour trouver. Mais pourtant, je peux sécréter ça, cette espèce liquide-là, et ça a une l'assiette, comme on dit, sorti, je te dresse là. Ça a un ordre bon Dieu, nous avons dit ça. Et OK?
tu as ton concept de maison dans sa façon-là. Et voilà, donc je fais le pain. C'est tout la cause. Je me dis dans l'hiver, je ne sais pas faire pain. Ça, c'est peine à plaire. Et la reine aussi pas bonne. Faudrait, la reine bonne, faudrait. Elle a suffisamment de nectar de haut, car elle consomme ça. Mais là, comment dire, un sous-produit qui saute dans l'île, c'est la cire. Si je prends un côté rôle pollinateur, et ça m'en appelle insecticide, pesticide, whatever ticide encore, peut détruire tout mon insecte pollinateur qui ne résiste maintenant à abeilles. Nous avons moins d'insectes pollinateurs, donc il y en a une corrélation avec la production agricole. Et ben là, on peut trouver, comment dire, insectes qui sont capables de survivre là, pour capable de faire ce travail-là, c'est abeilles. À ça, si abeilles disparaissent, mais nous, les gens ne peuvent pas faire face avec elles. On appelle ça une crise alimentaire dans l'agriculture. Je peux dire là. Mais là, il y a une plus aiguë. Parce que ça va un produit qui a absolument besoin de la pollination. Pas capable de payer un rendement. Vous diminuez pas beaucoup. Donc, il y a nous l'intérêt. Et ça, mon besoin, c'est un coup de chapeau. Le ministère de l'Agriculture, le gouvernement qui, je peux encourager l'apiculture, donne des au moins 5 places de bison. Et j'ai fait une formation et je pensais, ban qui vraiment veut faire apiculture, pour commencer, j'ai besoin de ramasser de courage. Moi, besoin, elle est là pour ça. Donc. Mais il y a un bon signe parce qu'avant, pas tiennant ça. Bison, quand tu peux t'en dire. Pas tiennant. Je n'ai pas besoin de l'importance à abeille. The day, bees disappear, it will be not long for mankind to disappear. On peut dire, ce qu'il nous veut dire, hein, ce mot exact, on ne pas connaître, mais dit comme ça, que si abeilles disparaissent, mais nous aussi, comme on dit, ensemble, nous pas disparaître. Mais j'ai besoin d'une balance, d'un équilibre. Là. Je veux dire, si le gouvernement peut encourager lui, à se faire pas seulement encourager, mais accompagner sa apiculteur. Il faut accompagner lui, qui est le problème, pour avoir des particuliers, qui a fait des particuliers, pour besoin, comment dire, de temps en temps, gagne une visite au ministère. Parce que, comme je dis à côté de moi, je suis bon. Je suis dans 100 riches, 50 et dans les. Vous voyez le problème. Alors, moi, je pense que j'ai besoin de le terrain pour une guetter, pour faire un échantillonnage, pas comment, guetter, faire une analyse, guetter. Parce que nous pouvons les affaires sur là, nous. Après, on a un laboratoire, nous connaissons cela là, nous. Et là, trouve la solution qui est bien. Mais seulement, nous pas absolument besoin de payer. On ne peut pas s'en passer. Si vous voulez production agricole, augmenter, absolument nous besoin d'abeilles. Parce que les autres insectes là peuvent finir. Je parle de cause des autres qui peuvent passer dans la terre. Dans la terre, mais ça m'a des pesticides, des insecticides qui peuvent aller. Prenez la terre en bas. Il y a des minerals. Pas seulement des minerals. Il y a un travail qui peut dérouler vers de terre. Il y a des autres encore des insectes qui peuvent produire des fertilisants. Mais si nous pouvons continuer, bombardé avec pesticides, insecticides, le pémo ou l'azote. Mais ça, la terre-là, nous lui mener la terre morte, comme on a la mer morte. Vous connaissez, tout développement, moi, je m'appelle anglais holistique. Vous avez tout aspect. Vous pouvez servir ça, est-ce qu'il n'est pas la faire du tout là-bas? Mais s'il fait du tout là-bas, qui peut que je m'en prenne? Ou bien, moi, élimine ça. Nous devons vivre maintenant, n'est plus comme avant. Comme on dit, nous avons des problèmes là, c'est isolé. Non, il y a des gouvernements, tout à fait, parce que, comment il peut dire? Holistique, ça veut dire besoin de l'approche globale. Vraiment, si. Même sauf côté finance, il y a besoin d'approche globale pour tout le monde sensibilisé. Très bien ça. Mais seulement dans tout développement que nous faisons, nous avons besoin de l'approche globale pour capable, comment dire, ne pas créer demain un Maurice, une génération qui nous dit qu'ils ont quitté pour nous. Ça a même quitté pour nous, comme héritage. Mais voilà, moi, mon homme de la nature, je ne vis pas mais la nature, je compte à la nature. Donc, ça aide moi beaucoup pour comprendre le monde. Et comme chaque semaine, avec nous, donc Eric Mangard, donc de l'association MAA, qui vous dit à nous un petit peu plus, Eric, sur ben, l'apiculteur à Maurice et surtout la production du miel des abeilles. Alors, Karine, je pense qu'Ibal, il finit explique nous là, c'est fantastique, hein, comment les abeilles travaillent, tout le sujet concernant les abeilles.
Mais ben, l'abeille, vraiment, c'est un insecte très intelligent. Très intelligent parce que quand tu as le rôle de nectar, je connais qui côté pourrait aller. Hein? Je t'ai détecté le nectar là, le plante que tu as déjà allé. Hein? Ceci dit, je crois que l'abeille à Maurice, nous produit une BC1, hein? C'est-à-dire que tu peux produire dans les 35 tonnes par l'année. Zodizou ne peut produire que 20 tonnes. Hein, 20 tonnes. Et nous importons dans les 100, plus que 100 tonnes de honey hein, tous les ans. Hein, parce que le honey il est très très utilisé à Maurice. Le seul inconvénient, c'est qu'en 2014, dans la région de l'Orillien-Noir, nous avons gagné le Vawa. Hein, c'est le mythe que M. Hubal fait dire. Le mythe qui finit détruire beaucoup de colonies d'abeilles. Et là, le ministère de l'Agriculture, la section d'entomologie du ministère de l'Agriculture, élimine 260 colonies d'abeilles dans sa région-là. Et ça, il y a un problème permanent pour les abeilles et aussi pour tout. Alors, l'autre problème qui affectait un petit peu, qui est important, donc, qui nous faisait reconnaître dans la section d'abeilles, c'est les plantes mellifères. Une plante mellifère, c'est une plante spéciale. Hein? Souvent, on dit que c'est une plante mellifère, une plante spéciale. Quand un insecte, par le proboscis, est capable de sucer le nectar de la plante. S'il n'est pas capable de sucer le nectar, c'est-à-dire qu'il n'est pas une plante mellifère. Hein? Donc, nous avons le jamblon, l'etchi, le campès, le tamarin. Le poivre sauvage, comme on en a ici, c'est ça une plante mellifère. Hein? Et ça, c'est très très important dans qui nous est là ça pour nous faire production du miel les mêmes. Hein? Alors ça, avec l'habitat qui peut changer, le ministère met une bisonne qui est capable, quand nous capable, produire du miel sans qu'il y ait l'effet l'habitat changé aussi, mais aussi l'utilisation de pesticides, etc. Hein? Alors, moi, je pensais que c'est important l'aspect pollination qui est causé, parce que avant, nous faisions dans le grand sable, dans la pollination nous faisions une ruche avec le ministère de l'entomologie, qui doublait la production d'oignons dans la région. Et ça, c'est très très important. Et c'est là que nous devons faire attention, ne pas suivre trop de pesticides dans la région, hein, parce que les abeilles bougent dans un rayon de 5 km, hein, de 5 km, pas plus, mais c'est très très important pour la pollination. Pas oublier que 30% que nous mangeons dans le monde, dans les plantes que nous mangeons, c'est polliné par l'abeille. 30% de la viande que nous mangeons, c'est des animaux qui vide le banc de plantes qui pollinée par l'abeille. Et je crois que l'abeille, comme il va te dire, si l'abeille disparaît, peut-être l'avenir de l'homme aussi pour mettre en réaction, nous aussi nous pour disparaître. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous la terre, nous la mer, nous ricesse. Alors aujourd'hui, nous nous causons sur la production de miel, la production, donc le beau travail que les abeilles font pour la nature ici, à Maurice et les alentours. Et cela, justement, avec Iqbal Bikun, qui nous besoin de remercier, et également Eric Mangor de l'association MAA, donc ici à Brado, donc où il y a le bisone. Ben pour ma part, on vous donne notre rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Nous la terre, nous la mer, nous ricesse. Bye bye!